Eh bien salut toutes et à tous la même compagnie, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui en ce dimanche exceptionnellement pour un nouvel épisode déjà de Sons of the Forest en compagnie de Virginia qui est en train de cueillir de l'herbe, voilà. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle prend comme herbe, finalement ce n'est pas vraiment notre problème. On a récupéré l'aloe vera, j'espère que vous allez bien, il est 16h bien sûr, c'est dimanche. Bon week-end, on enchaîne les épisodes parce que je suis très excité aujourd'hui de vous retrouver. Et voilà, j'ai un petit peu perdu ma voix. Pour ceux qui ont regardé le GP Explorer, j'espère que vous vous êtes régalés également parce que c'était vraiment génial. On pourrait en parler, mais ce n'est pas le sujet en tout cas actuel de la vidéo. Aujourd'hui du coup, alors évidemment j'ai vu les retours de vos commentaires bien sûr sur le dernier épisode. Vraiment, j'ai perdu ma voix, je suis désolé. Bon, ça va encore, je m'en sors pas trop mal je trouve aujourd'hui. Vous savez ce qu'on va faire? Alors, déjà j'ai vu que vous étiez ok. Alors bon, c'est un petit peu 50-50 hein. Certains voudraient bien que j'agrandisse la base, d'autres disent que c'est pas la peine. Alors je pense que c'est pas la peine. Et on fera du coup une base dans la montagne très bientôt. Mais du coup, aujourd'hui ce qu'on va faire, j'y avais pas pensé, vous m'avez rappelé en commentaire, mais ce point vert là-bas c'est l'imprimante 3D, d'accord. Mais il y a également besoin d'une carte magnétique. Et je crois qu'on a tout ce qu'il faut. Eh oui les gars, eh ouais, allez on y va. Ah. Voilà c'est gênant, bah je me suis enflammé. Bah on va y aller à la nage, hein, c'est pas grave. Bah non mais attendez, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut sur moi? Parce que, hein, faut quand même y aller stuffer, hein. Faut quand même y aller stuffer. Alors qu'est-ce qu'on a sur nous? On a pas mal de nourriture, on a déjà des boissons, on a des médicaments. Niveau armure, on a... Oh, des armures effrayantes. Ok. Du tissu, j'aimerais bien qu'on récupère du fil. Oh, des bourses, attends. On va ouvrir les bourses en ce début d'épisode. Toujours sympa. Voilà, encore du soda, des huîtres. Très bien, encore et encore du bonheur, du plaisir. Et voilà, ça fait plutôt zizir. J'ai de l'eau propre. Bah écoutez, non mais attendez. Juste avant d'y aller, de toute façon j'ai envie d'y aller en tyrolienne. Faut qu'on mange un coup. Vous allez voir, on va ressortir de la grotte, il va neiger. Hein. Je vous le dis, je préfère vous annoncer. Ça va être assez terrible. Voilà, on mange un bon petit poisson. D'accord. Hop, on va boire. Voilà. Et on va enfin pouvoir y aller. N'oubliez pas le pouce bleu et merci beaucoup à vous pour votre fidélité. Voilà, Virginia elle est en train de se tremper la schneck. Et est-ce que c'est possible de monter? Eh ben, vivement qu'on change de base. Hein. Vivement qu'on change de base. Ça me saoule déjà. Hop. Allez, c'est parti. Wouhou. Zanzazion, zanzazionnel. Ouais donc les amis, hop, on va aller, oh là, on va aller du coup comme convenu au point vert là-bas de l'imprimante 3D et on va ouvrir la porte qui mène a priori d'après vous, si j'ai bien compris en tout cas les commentaires, mais il me semble que c'est bien ça, on va avoir la tronçonneuse et l'autre truc, je ne sais plus quoi, mais il y a deux trucs qui se trouvent au même endroit et j'ai oublié, mais je sais qu'il y a la tronçonneuse a priori, donc on va y aller et j'avais jamais vu ça si. Eh ? On est passé plusieurs fois à côté, je savais même pas qu'il y avait ça, je crois. Incroyable. Bon, il y a que dalle à récupérer. Donc c'est bien nul, mais ça a le mérite d'être là, voilà. Ah. On aurait pu passer à côté d'une ampoule. Superbe. Mais je suis full. Très bien. Allez, descendons. Descendons, mais attends, je suis jamais passé par là. Pourquoi il n'y a pas d'arbre là? Ça m'a l'air tout dégagé, c'est trop bizarre. Trop bizarre. Bref. Donc voilà, pour cet épisode, j'étais vraiment pressé de le faire et j'ai voulu enchaîner ce week-end parce que de toute façon, comme dit, la prochaine mise à jour, ce sera la semaine prochaine. Donc autant en profiter, je suis pas sûr de pouvoir vous sortir un épisode mercredi, donc je me suis dit, voilà, je vous régale ici et maintenant. Et prochain épisode samedi si tout va bien. Donc voili voilou. Ok, la grotte est là. Imagine j'ai pas la carte mais je me pète une barre. Imagine j'ai pas la bonne carte. Y'a pas de raison en vrai parce que comme dit il nous manque juste une carte normalement pour la fin du jeu. Là regardez, j'ai badge VIP et badge d'entretien, c'est tout. Ah merde. Ah bah j'espère que ça va suffire. Attendez, j'ai mis la lumière. J'espère que ça va suffire, ce serait plutôt pas mal. Donc là on va en profiter bien sûr pour repasser récupérer du loot ici en tant qu'on y est. Là voilà, du fil, c'est parfait.
Des piles, je suis full. Là, des flèches pour l'arbalète, c'est juste parfait. Panneau solaire, ben, je suis full aussi, j'imagine bien. Des ampoules, je suis full. Je peux même plus rien récupérer. C'est tellement je suis riche, les gars, c'est formidable. Voilà, donc on va faire la petite sauvegarde qui fait plaisir. Et puis, écoutez, les amis, on est parti. Espérons, bien sûr, que ça va le faire. Mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Alors, déjà dans un premier temps, hop, je vais m'équiper de mon arbalète. Dans un deuxième temps, je vais m'équiper de ma lampe de poche. Et puis ça va partir. Putain, si j'ai pas la carte. C'est bon. Wesh, on voit rien. Ok. Bienvenue. Bienvenue dans la salle de gym. Moi, je me chie dessus. Voilà, je me chie dessus, je suis accroupi. Vous savez que quand je me chie dessus, je suis accroupi. Hein. Y a des balles qui bougent. Superbe. Bon, allez, on va essayer de pas trop se chier dessus. Genre, je peux récupérer le tissu à travers la vitre. MDR. Attendez. J'arrive pas. Bon, je sais qu'il y a des méchants qui m'attendent. C'est pour ça que je me chie un peu dessus, voilà. Bon, de toute façon, on y va. On a des couilles ou pas? Voilà. Hop, dans ta gueule. Hop, one shot. Allez, on va sécuriser la zone. Et une fois qu'on aura sécurisé la zone, bon, on sera plus tranquille, on pourra fouiller. Pour ne rien louper, bien sûr. Alors, je vais m'équiper de mon armure effrayante, hein, déjà. Autant en profiter. Parce que là, on va se régaler. On va se régaler. Ah, bâtard. Attends, hein. Bouge pas, frérot. Genre. Ça, c'est cringe. Voilà, dans le dos. Dans le dos. Monsieur. Ah putain. Attends, d'où il se relève lui? D'où il se relève? Voilà. Vas-y, je dépeste. C'est pas la meilleure idée maintenant, mais je le fais. Oh non. Allez, salut. Alors lui, il va me faire chier. Touché. C'est toi le chat. Ah. Oh non, j'ai tiré à côté encore. Bon, j'ai pas un gun moi. Attends. Hop là. Voilà, il est mort. Oh non. Oh non. Attends. Attends. Je me chie dessus, voilà. Bon, ça va bien se passer les amis, vous inquiétez pas. Putain, il va trop vite lui. Voilà, allez hop. Bon, je suis désolé pour la musique hein, dans les oreilles, hein, c'est un petit peu terrible. Voilà, je vous baisse un petit peu le son. Mais voilà, excusez-moi si je me chie un peu dessus. Je me sens vraiment naze. J'ai usé, alors bon, j'ai usé des balles de pompe. Mais c'est pas bien grave. Oh, cette musique. Cette musique, elle est géniale. Bon, maintenant on va un petit peu fouiller. Maintenant que j'ai un petit peu sécurisé la zone, hein, on va essayer de pas passer à côté de quoi que ce soit. Notamment, comment je fais pour entrer là-dedans là. Oh. Alors, des cailloux, superbe. Du tissu, c'est super. Des cailloux, du tissu. Un cadavre, des cailloux. Que dalle. Voilà. Ensuite. Pourquoi la musique s'est arrêtée d'un coup, frère?
Ouah, plus jamais. Plus jamais. Oh, des bébés. Voilà, ça c'est fait. Dans l'arbalète, c'est vraiment chouette. Franchement, l'arbalète, c'est vraiment chouette. Hein. Qu'on se le dise. Redonne-moi ça. Bon. Qu'est-ce qu'il y a à récupérer, là? Je sais même plus s'il y a des trucs, là. Que dalle. Ah, un petit peu de calme, c'est sympa. Dans l'eau, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est juste une piscine, hein, bien sûr. Piscine absolument formidable. C'est beau. Allez, en avant Guingamp. Bon, si on peut couper la musique, on le fera bien sûr. Non, mais il y a plusieurs musiques qui se chevauchent en plus. Oh, survêtement, trop bien. Ah voilà, là l'ambiance ici est quand même bien meilleure. Pardon. Oh non. Oh non. Ok, je sais pas si j'ai touché, mais ça m'étonnerait fort. Quoi? Ok, je suis en train d'user mon arbalète là. Allez, viens voir papa. Viens voir papa. J'ai ce qu'il faut. Hop là. Allez, viens voir. Oh putain. Oh, ça rase de mouette. C'est quoi cette merde? Ah. Oh, 3 balles, ils sont morts en vrai. Eh, en vrai, 3 balles de pompe, oh. et ça dégage. Ça, c'est chouette. Ça, franchement, c'est chouette. Ça... ça fait plaisir. Enfin, je suis vraiment pas serein du tout. Je suis désolé pour l'entertainment de ce dimanche. Hein. Et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de faire cet épisode maintenant. Je trouvais ça vraiment cool. Ok. On a bien clean. Ça va, monsieur? Non, ça va pas trop. Je vais reprendre mon arbalète. J'ai éteint la radio là. J'adore. Ça, j'adore. Vous savez, ça me fait penser à quoi? Bon, ça me fait penser à plein de films en vrai, mais... je sais plus les noms des films, mais ça me fait penser à plein de films, voilà. C'est absolument génial. Voilà, une petite baignoire. Il y a que dalle, hein, à récupérer. Ah! Oh putain! Oh la vache! Oh la vache. Quoi? Mais il faut mourir hein. Ok. Je crois que j'en avais vu un autre hein, si jamais hein. Ok. Wouah. Oh, je suis en galère. Déjà que j'ai perdu ma voix. Ah, j'ai plus de place, alors attendez, bouge pas. On va se mettre full. 1, 2, ramasse ta queue. Hop. Putain, j'ai assez crié hier quand même. Hein. Caméra d'action. Oh. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Un militaire, j'imagine. Il se fait des œufs. Il fait de la chasse. Très bien. Ah oui, c'est des militaires qui font la chasse aux mutants. Mais non. Mais non. Ok. Oh, c'est incroyable. On commence enfin à comprendre l'histoire. On commence vraiment à comprendre l'histoire, les gars. Vous avez compris ou pas? Alors attends, on va en discuter. Bonjour. Hop là, headshot. Oh putain, bâtard. En gros, le mec, à chaque fois au début de l'aventure, vous savez,
le mec avec son vêtement un peu fluorescent là, enfin de couverture de survie là, je sais même pas comment tu peux appeler ça. Le mec, vous savez, quand on se crache d'hélicoptère, il est là et il nous assomme. Et ben c'est le mec qu'on a vu dans la vidéo en train d'abattre. Il était en train d'abattre des mutants. Enfin, c'est même pas ça le pire. Il était en train d'abattre des cultes. D'accord ? C'est écrit quoi là ? J'arrive pas à lire. Du coup, en soi, le mec peut être sympa. Mais vous avez vu, il était avec les militaires. Donc lui, par exemple, il était avec le mec qui nous a fracassé dès le début de l'aventure. Alors, je sais pas comment interpréter le truc. Mais globalement, les militaires, c'est pas forcément des gentils, alors. Alors que nous-mêmes, on est militaires. Alors, je comprends pas du tout. Mais on a du coup un nouvel élément d'histoire là, tu vois. Et ça, c'est pas mal. Ça veut dire soit que le mec qui nous a fracassé, c'est un faux cul et il est contre les militaires aussi. Et je sais pas, il a retourné sa veste ou je sais pas quoi, tu vois. Il y a grave moyen. Ouais. Il n'y a plus de méchants là. Il n'y a plus de méchants ici, c'est bon. Bon, moi je suis là pour la tronçonneuse. Hein. Je le rappelle. Email. Mr. Puffton, Deezer, All Digital, to be printed out. Ne pas laisser des copies digitales de nos communications sur les ordinateurs. Très bien. Barbara Puffton, la daronne bien sûr, de notre copine Virginia. Ouh. Il y a une belle ambiance ici. Hop. Capture d'écran. Yeah. C'est trop chouette en vrai. C'est trop trop beau. Des pièces. Du champagne. La vodka. Des pièces. Morceau de bacon. Bouteille de vodka. Oh. Oh non. Genre, j'ai pas la carte qu'il me faut pour aller là. J'ai trop le seum. J'ai trop le seum. T'as une guitare là, mais je croyais qu'on pouvait la récupérer, mais on peut pas la récupérer. C'est-à-dire qu'il faudra revenir quand on aura la carte. Je suis dégoûté. Vraiment. Ok, on va bien fouiller en vrai. Bon, les billets, on prend toujours. Mais non, mais en vrai, la carte, elle est là. La carte, elle est là, les gars. C'est pas possible. On n'a pas fait tout ce chemin pour rien, en fait. Sérieux, là ? Y a pas de carte magnétique ici. Attendez, 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 c'est pas fini. J'ai un souvenir. Non, j'ai un souvenir que la carte magnétique elle est là. 100%. Oh. On a quoi à manger là? Médicaments. Pas les couilles. Ok. Là y a rien. Là y a rien. Là c'est cassé malheureusement. Mais ouais, c'est bon, on a la carte magnétique. Badge de client. D'où le client, il peut aller derrière, là, je comprends pas. Bon, on va voir. On va voir si c'est ça. Ok. Et une autre lettre. Attends, je vais éteindre la lumière. Hank, après avoir cherché l'entière facilité, nous avons trouvé... par rapport aux battes de golf, là, ouais, d'accord, on s'en fout. N'oubliez pas que c'est des milliardaires ici et leur délire c'est le golf. Ok. Du coup, est-ce que je peux aller derrière? Ah, c'est pas logique. Genre, les clients ils peuvent aller là. Bref. Alors, qu'avons-nous là? Ok. Y'a pas de truc de location, genre. Faut vraiment pas que je passe à côté. Hein. Ça, on s'en fout. On a une caisse ici avec. Très bien. Très bien. Rail de fusil à pompe. Une autre lettre. C'est le testament de Edward Puffton. Attends, il y a un truc entouré. Bon, Virginia Puffton, bien sûr. I live. Eh, regardez ce qui est entouré. J'ai laissé à Virginia Puffton. Si elle survit. For their own absolutely. Et il y a des coordonnées, regardez. 5, 7, 8, 5, 3, 4, 8, 2, 7. Enfin, je pense que c'est des coordonnées. Je suis en train de réaliser. Et les gars, venez, on va vraiment mener une enquête. On va mener une enquête pour trouver ça. C'est des coordonnées, ça.
En vrai de vrai. Il y a grave moyen. Bon là on a un... Et ben voilà. Bunker de maintenance B. Bon ben on l'avait déjà fouillé de toute façon le bunker, tu vois. Non. Bunker de maintenance B. Ça se trouve c'est les coordonnées qu'il y avait sur le texte. Bah on ira voir. On ira voir, on a peut-être trouvé une dinguerie là. On a peut-être trouvé une dinguerie les gars. De maintenance B. Mais si, maintenance B, on l'a déjà fouillé le bunker maintenance B. On a fouillé le maintenance A, maintenance B, maintenance C. C'est de la merde, on a rien trouvé dedans. Y'a que dalle, c'était juste pour ça. En fait je fais vraiment pas les trucs dans l'ordre hein. C'est génial. Bon, y'a pas la tronçonneuse hein. Y'a pas la tronçonneuse. Bon attendez, c'est pas fini de toute façon. Ah c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique, je vais faire une petite capture d'écran quand même. Je sais pas comment mais on va la faire comme ça je pense. Ah. Voilà. C'est pour un petit plaisir coupable. Bon attendez, on n'a pas tout fouillé en vrai hein. On n'a pas tout fouillé. Ah il y a du feu là qui a été Ah bah c'est genre un peu un sauna tu vois. Tu vois là il y a du tissu tu vois. C'est bien de fouiller un peu, on trouve des trucs de dingue. Ok. Y'a vraiment que dalle. Y'a vraiment que dalle. Bon on va aller là-bas. Ouais. Là il me faut une carte magnétique que j'ai pas tu sais. Non c'est bon je l'ai. Je suis content. Je suis content. Là il va y avoir un screamer hein. Je le rappelle. Enfin je dis je le rappelle mais... Ah non c'est... Dans la saison 1 je pensais qu'il y aurait un screamer et il n'y en a pas eu. Là imagine il y en a un. Allô? Y'a quelqu'un? C'est trop bizarre qu'il y ait personne. Une lettre. Hi Doris. I saw on the list that you and your family have arrived. Let me know if you have time for a drive. Ah c'est Barbara. Je fais genre là je comprends. Mais alors que dalle. Allez. Bonjour. Welcome to Hollow Springs, a safe underground community for a select few. Built by visionary billionaire Edward Cupton. Hollow Springs. Je me suis tué hein. Unparalleled comfort and luxury. The island is rich in a special material known as sulfite. Ah. This material contains unique and Ok. Est-ce qu'il est venu? Non, il est pas venu. Il passe pas à la porte. Oh, fils de... Pardon. Qu'est-ce qu'ils veulent, les bébés, là? Attends, je vais pas user mes balles, hein. Heureusement, c'est un peu buggé, hein. Heureusement, c'est un peu buggé. Ah là j'ai trop le seum. Alors là j'ai trop le seum. Bon faut que je récupère mes flèches hein, parce que sinon. Voilà. Allez donne moi ça toi. Bon. Comment vous dire que je suis pas à l'aise. Je suis vraiment pas à l'aise. Bon là je peux pas récupérer, à mon avis je vais être full. Ouais c'est bien ce que je pensais. Super sympa, une petite salle de cinéma. Oui c'est vrai, la salle de cinéma. Avec la tronçonneuse. Let's go. Let's fucking go. Je suis trop content. Et ben voilà. Nouvelles instructions d'artisanat. Corde de zipline. Fous ma gueule. C'est quoi la nouveauté? C'est complètement con D'accord. Ah par contre j'ai un rail. Rail de pistolet. Je peux pas utiliser. Non j'avais un autre truc. J'avais pas un truc là. Ah rail de fusil à pompe. Mais je peux le mettre dans aucun fusil à pompe. Ah parce que j'en avais déjà un. Ok. Bon je peux pas faire grand chose. Je suis trop content, on a récupéré la tronçonneuse, bah voilà. Donc ça pour construire notre nouvelle maison dans la montagne, ça va être génial hein. Ah je vous le dis hein. Ah je vous le dis.
Attends, je récupère un peu des trucs aussi là. Boisson aussi là. Parfait. Ah, je suis content. Putain, je suis trop content. Voilà. J'avais zappé que c'était ici, pour être honnête avec vous. J'ai failli être déçu. Par contre, il nous faudrait encore une. Oh, il nous faudrait encore une carte. Email. Another one. Another one. Artefact, très bien. Merci pour votre astuce d'ailleurs pour descendre des voitures, faut appuyer sur G. Hein. Merci pour le commentaire. Parce que vraiment, j'étais en galère dans le dernier épisode, bien sûr. Alors, on a encore plein de bébés. On va commencer par lui. Voilà. Carrément, il ose même plus se rapprocher. Hop. Voilà, on enchaîne, on enchaîne. Non, mais franchement, je trouve ça tellement bien, cette arme. On est clairement d'accord, hein, ça rend le jeu tellement plus simple. Mais c'est ça qui est bon, quoi. Hop là, et tu récupères. Bon, c'est pas fini, hein, ces histoires. Hein. On se retrouve dans une grotte. Je me souviens plus du tout de ce qu'on peut trouver dans cette grotte. On va commencer à droite. Oh, ça pue la merde. Si je vais à gauche. Si je vais à gauche. Ça fait le tour. Je me souviens bien. Donc on revient ici. D'accord. Donc on va aller à droite. Je me souviens dans la saison 1, je crois qu'à cette étape là, quand on était ici, j'avais pas encore l'arbalète, ou en tout cas j'avais pas conscience que l'arme était incroyable. Du coup c'est vrai que là on est plutôt safe. C'est un aller simple sans retour ça, hein. Et tu vois, t'es au camion, tu vois, je ne peux pas monter avec une corde de zipline, c'est fait exprès pour pas y aller. Ah mais en fait c'est une sortie de grotte du coup, tu vois. Ouais, c'est une sortie de grotte. Donc tu vois, c'est exprès, si tu rentres dans la grotte, comme ça tu peux pas y aller. C'est le principe. Ok, d'accord, bah écoute. Je sais pas quelle heure il est, mais ça me fait plaisir. Bah il fait jour encore. Et on est où là? Il y a du vent, il n'y a pas encore de neige, c'est formidable. Il est 15h seulement et on est à côté du point vert finalement. Donc on est à côté de notre base. Donc vous voyez, si jamais on serait rentré dans la grotte là, bah Ah c'est chouette. J'ai bien aimé, on a une tronçonneuse. Mais il y avait autre chose que je voulais récupérer, j'ai oublié c'était quoi. Et on l'a pas récup du coup. Bon bah c'est plutôt pas mal, je suis assez content de cet épisode. De ce qu'on a pu faire. On est du coup juste à côté de notre base. On n'avait jamais vu cette grotte quand même. C'est assez rigolo. Et voilà. De retour à la maison. De retour à la casa. Oh là. Mais c'est qu'il y a du monde. C'est qu'il y a du monde qui veut ma mort en plus. C'est formidable. Bah écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'en vrai, dans le prochain épisode, on va chercher notre vrai spot. On va trouver un spot pour... Bah en fait, je vais y réfléchir en off, de toute façon. Wesh. Vous avez vu tous les bébés, là? Mais non. Wesh. Jamais vu ça. Foutez-moi la paix. Allez, salut. Je vais réfléchir en fait à où c'est qu'on pourrait se poser. Et dans le prochain épisode, on va y aller en repérage. On va se trouver un spot et puis on va se construire une vraie base. Et l'idée, c'est vraiment que, en fait, le spot, on est censé vraiment être safe. Donc je sais pas comment on va faire, mais il faut qu'on trouve un spot safe. Vous savez, quand on était dans la neige en haut. Oh, il y a encore des méchants. Quand on était dans la neige en haut, il n'y avait pas de mutants, il n'y avait rien. Donc en fait, l'idée, c'est ça. Alors, on risque d'avoir froid, etc. Mais dans la maison, on n'aura jamais froid. Donc en vrai, il y a moyen de se faire vraiment plaisir. Donc je vais réfléchir. Et je pense prochain épisode, on va s'installer. Et comme ça, c'est cool parce que qu'il fasse neige ou non, bah ça reviendra au même. Et on sera safe. Enfin, j'espère. Donc voilà, je vais y réfléchir. Et moi, je vous retrouve dans le prochain épisode. Donc sûrement samedi et non pas mercredi. Mais voilà, au moins, je vous ai sorti cet épisode aujourd'hui dimanche. Donc j'espère que vous êtes régalés encore une fois. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Nous, on aura vraiment trouvé le... La tronçonneuse, je suis ravi. Et on va du coup s'en servir, bien sûr. Voilà, c'était Mko, je vous fais plein de bisous. Bonne semaine à vous, bon courage. Et ciao tout le monde.